Il y a un mois, j'étais en Irlande, ton pays fétiche, 20 ans après, et j'ai encore entendu beaucoup parler de toi, parce que savez-vous, c'est très pratique d'être le frère de Yann Poirier, puisqu'une fois qu'on a dit ça, tout le monde vous trouve formidable. Alors en Irlande, il y a un gars qui gagne toutes les courses, c'est Willie Mullins. La plupart d'entre vous savent de qui je parle, et on m'a expliqué que ce type était un génie, tout simplement, car à chaque décision importante qu'il avait à prendre, il se demandait ce qu'aurait fait son père. Et bien en fait, pour moi, c'est pareil avec toi, Yann. Ça fait longtemps que ça dure, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a encore plein de choses à faire, et comme d'habitude, je vais me demander, pour chaque décision importante, donc, ce que ferait Yann. Alors ça va débattre dans ma tête, je connais ses arguments par cœur. Puis on tombera d'accord le jour même, après un ou deux verres. Donc forcément, ce sera la bonne décision. Vous voyez, finalement, c'est pas si dur. Alors souvent dans les films, au moment des décès, il y a tout le monde qui regrette des trucs, genre on n'a jamais assez parlé, je ne lui ai pas dit tout le bien que je pensais de lui. Ça se prend la tête, ça regarde dans les nuages, longuement, ça parle pas. Mais alors là, rien de tout ça. Nous, avec Yann, on parlait tous les jours, quasiment, au téléphone. Moi, il me répondait plus facilement. Enfin, il me rappelait plus vite, en tout cas. Alors, je l'ai félicité. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de les féliciter des milliers de fois. Donc là, je vais arrêter de vous causer. Et tout simplement, Yann, une fois de plus, eh bien, je vais t'applaudir. Mesdames, messieurs, Yann Poirier, mon frère, le meilleur. Merci. Merci pour ces enfants. Et vous pouvez vous lever, oui, allez-y. Merci à tous. Moi, je n'ai pas le baratin de ce que j'ai fabriqué, et encore, je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai fait, mais enfin bon. Maman, sûrement. Papa, peut-être. Je vous embrasse tous. Merci.